Donc, la Fédération algérienne de pharmacie organise son 6e congrès sous le thème que vous venez de citer. En fait, les congrès de la Fédération algérienne de pharmacie ont cette caractéristique un peu de parler de tous les métiers du pharmacien. Donc de ce congrès, nous avons des conférences en plénière, des ateliers, des symposiums, des communications orales. Et tous les thèmes concernant la pharmacie seront abordés, principalement le pharmacien au niveau de l'hôpital, le pharmacien hospitalier, le pharmacien biologiste, le pharmacien industriel et le pharmacien d'officine. Donc il y a une grande richesse du programme qui a été établi. D'ailleurs, je remercie le comité scientifique d'avoir établi ce riche programme. Moi, tout ce que je peux vous dire, qu'aujourd'hui, nous avons abordé des thématiques très importantes, notamment la sous-traitance dans la pharmacie industrielle. Nous allons parler de biothérapie, nous allons parler des normes de qualité dans les laboratoires de biologie médicale. Et aussi, nous avons un ensemble d'experts venus d'étrangers. Donc nous avons des Français, des Belges, nous avons même des collègues venus du Cameroun, du Sénégal, du Zimbabwe, nous avons même des collègues de Tunisie, d'Égypte. Donc ce sont des collègues qui s'occupent aussi de l'enseignement de la pharmacie dans leur pays. Il y aura un atelier qui va parler un peu de l'enseignement de la pharmacie en Afrique, essayer de voir un peu comment se fait cet enseignement au niveau de notre continent, et voir comment on peut harmoniser un peu les enseignements, et surtout, sachant que cette année, il y a eu création de l'Agence africaine du médicament, je pense qu'il est impératif qu'on mette en place peut-être une formation commune, un master africain dans la réglementation du médicament. Je pense que ce thème sera abordé aussi au niveau de l'atelier cet après-midi. Et pourquoi pas créer une association des écoles de pharmacie d'Afrique.